Comme c'est gentil de leur part. Qu'est-ce que vous faites? Ce cristal appartient à mon père, le roi Raynor. Cette pierre, mon père l'a héritée de nos ancêtres. C'est un précieux bijou de famille qui me vient de nos ancêtres. Je ne sais pas comment vous l'avez eu, mais je veux que vous me le rendiez. Attendez, on nous a dit que vous pourriez avoir un autre cristal, le même que celui-ci. Mia. Non, il n'y a pas d'autre cristal. Hey, rendez-le-moi, il n'est pas à vous. Alors maintenant, vous me traitez de voleur. Tant que vous gardez mon cristal, oui, vous êtes un voleur. Ah, vous les rois, vous vous prenez tous pour de grands Manitou. Attendez, roi des faunes, Mo ne voulait pas vous offenser. Non, mais on est sûr que ce cristal est à nous. Et moi, ce dont je suis sûr, c'est que le roi des elfes a insulté le roi des faunes et par la même occasion, tout le peuple faune. Oh, n'en faites pas toute une histoire. Assez. Partez, roi des voleurs. Nous n'en avons pas fini. Venez. On trouvera une solution, je vous le promets. Votre promesse n'a pas de valeur pour le roi des faunes. Rapportez-moi la corne en or magique de la licorne ailée. Grâce à ce trésor, je pourrai enfin reprendre possession de mon corps physique une fois pour toutes. Pour vous récompenser, je vous nommerai tous les deux gouverneurs de Centopia. Qu'en dites-vous? Je serai reine. Comme tu voudras. Et moi aussi, alors? Alors, tu ne peux pas être reine. Mais je peux gouverner. Toi? Rapportez-moi la corne d'or. Je m'adresse à vous deux. La générale Gargona s'engage à vous la rapporter, Seigneur Dracon. J'en déduis que tu sais où trouver la licorne ailée, exact? Eh bien, en tant que responsable de la mission, je t'ordonne de la retrouver. Oui, bien reçu. Heureusement que j'ai une unité de reconnaissance. De quoi? Une unité d'espionnage qui va m'aider à... aucune importance. Mes petits chéris, venez un peu par ici! Dispersez-vous dans Centopia et rapportez-moi tout ce que vous aurez entendu. Pour qui il se prend ce Nabo? Il est arrogant, il n'a pas le moindre respect pour... Il est roi, exactement comme toi. Il a traité mon père de voleur. Oui, d'accord. Ce n'est pas en me querellant avec lui que ça va nous mettre sur la piste d'un autre cristal. Oh,